bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le Christmas Coloring Challenge. Et oui, je n'ai plus de voix. Je souffre malheureusement d'une laryngite. Donc ma voix est quasiment morte. Je profite des quelques minutes où elle est un peu revenue pour faire la vidéo. Voilà, je souffre atrocement de la gorge. Vraiment, j'ai très très mal. Mais je n'ai pas le choix, je dois faire la vidéo parce que sinon niveau date, ça sera un peu compliqué après et puis j'aurai plus le temps. Donc je fais la vidéo quand même, j'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous de m'écouter et voilà, que ma voix ne sera pas trop un problème. Alors, donc le Pumpkin Autumn Coloring Challenge touche à sa fin. C'est jusqu'au 30 novembre, donc vous avez encore 15 jours pour le faire. Il y aura le tirage au sort avec le livre à gagner, donc qui sera effectué le 30 novembre. Et pour donc le prochain challenge, il s'agira donc du Christmas Coloring Challenge qui se tiendra donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 janvier. Voilà, donc ça nous laisse un bon mois et demi pour le faire. Donc ça sera exactement le même principe. Vous aurez 4 menus. Vous choisissez et ensuite vous n'avez plus qu'à sélectionner vos catégories pour remplir votre menu. Donc je rappelle un petit peu le principe pour celles qui n'auraient pas suivi le premier challenge. Je vous propose 4 menus, donc 4, 6, 8 ou 10 coloriages. Vous choisissez ce que vous voulez en fonction de votre vitesse de coloriage, ce que vous avez l'habitude ou pas de faire. Et ensuite, une fois que vous avez choisi, vous choisissez des catégories donc, que je vais vous énoncer. Et un coloriage doit correspondre à une catégorie. Donc une catégorie, c'est un thème qui est en rapport avec la Noël et l'hiver. Donc vous choisissez, par exemple, si vous prenez les 6 colos, vous prenez 6 catégories qui vous inspirent. Et vous faites 6 coloriages avec chaque catégorie pour un colo. Voilà. Donc je rappelle bien, c'est un colo par catégorie. On ne peut pas faire un colo pour 2 catégories. Il faut bien faire un colo de catégorie. Vous avez au total 12 catégories. Donc vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Il y en a 2 forcément si vous allez au maximum avec le menu à 10 colos que vous ne ferez pas. C'est fait exprès. C'est pour permettre un maximum de choix. Et permettre que vous ayez, même s'il y a au moins 2 catégories qui ne vous inspirent pas du tout, que vous ne les fassiez pas. Voilà, donc à la fin de ce challenge, il y aura également un tirage au sort et je vous offrirai un livre de coloriage également. Donc cette fois-ci, ce sera un livre en rapport avec Noël et l'hiver. Je vous offre un livre de Teresa Goodrich au choix. Donc celle qui gagnera me dira lequel elle veut, n'importe, pas forcément celui avec l'hiver, hein, si elle veut un autre, c'est pas grave, mais j'offre un livre de Teresa Goodrich, je pense que c'est une des meilleures illustratrices pour Noël. En tout cas, je trouve qu'elle fait vraiment des très 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 beaux livres. Si vous ne connaissez pas Teresa Goodrich, je vous laisse aller sur la chaîne de Joanna Colo, vous avez des présentations avec ses livres. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, moi, comme vous le savez, j'ai réussi à faire mon challenge jusqu'au bout. Donc, je suis Pumpkin Queen. C'était le menu à 10 colos. Donc, je suis trop contente. C'est bête, mais réussir un challenge, en fait, ça fait un bien fou au moral. Et en ce moment, le moral, on en a tellement besoin. Enfin, en tout cas, moi, oh mon Dieu, je vous promets, j'entends ma voix là. Je vous plains, les amis, je vous plains. Je suis désolée. Je me reconnais pas. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi. Bref, ça me fait penser au petit chat dans Cusco. C'est ma voix, ça? C'est ma voix? Vous voyez? Bref. Donc, oui, je pense que c'est vraiment important en ce moment de se challenger. Il y en a beaucoup qui ont adoré faire ce challenge et qui ont vraiment suivi. Vous avez été très, très, très nombreux à le faire et ça me fait super plaisir. Voilà, tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée pour se dépasser et tout ça, pour trouver des idées de colo, parce que des fois, on n'a pas d'inspiration, etc. Pour se donner, il y en a qui ont besoin d'avoir un fil conducteur pour avancer,
d'être organisé, d'être dans un cadre. Donc voilà, ça permet de donner justement ce cadre. Alors, on va pas blablater plus longtemps, on va attaquer donc avec les menus. Donc vous avez le menu numéro 1, c'est petite étoile avec 4 coloriages. Le menu numéro 2, c'est étoile discrète avec 6 coloriages. Le numéro 3, c'est l'étoile qui brille avec 8 colos. Et le menu numéro 4, c'est l'étoile de Noël, donc celle-ci qui est la plus belle avec 10 colos. Ensuite, donc, pour ce qui est des catégories, tout sera référencé en barre d'infos, évidemment. Donc, vous avez la catégorie numéro 1, à Noël, tous les chemins mènent à la maison. Donc, pour cette catégorie, il faudra réaliser un coloriage sur un intérieur de Noël, donc une cheminée, un sapin en intérieur, enfin voilà, une cuisine qui fait penser à Noël en intérieur. La deuxième catégorie, c'est Noël dans le cœur qui met Noël dans l'air. Donc c'est une scène de Noël également, mais à l'extérieur. Donc soit des enfants qui font un bonhomme de neige, soit n'importe quoi. Enfin je veux dire, des sapins en extérieur, notamment dans la Teresa Goodrich, il y en a plein. Dans les Jad Summer aussi. Voilà, un coloriage. Après, vous pouvez tout à fait prendre un colo d'extérieur et rajouter des éléments qui font penser à Noël, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. La troisième catégorie, il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc là, je vais vous demander un coloriage avec des fleurs plutôt hivernales. Donc là, Maria Troll, encore une fois, est très très forte pour ça. Il y a des coloriages qui sont sur des fleurs hivernales. Vous avez aussi des Anna Carlson, surtout le season. Et encore une fois, vous pouvez très bien me prendre des fleurs du printemps. Et les colorier façon hivernale avec du bleu, du blanc, même du rouge, du vert. Il y a des très très belles couronnes aussi de fleurs qui font penser à Noël dans le menuet de bonheur. Je vois bien ces coloriages-là avec des couronnes. Voilà, ce genre de coloriage, ça va très bien pour cette catégorie. Ensuite, la numéro 4. On voudrait avoir ce courage des oiseaux en hiver. Donc là, un oiseau ou des oiseaux. Donc pareil, il y en a pas mal dans nos livres de colo des oiseaux. Je vous ai fait un tuto plume, donc pourquoi pas le tester, ça sera l'occasion. Ensuite, à Noël, pour la numéro 5, pardon. À Noël, la gourmandise passe avant la santé. Alors celle-ci, c'est ma préférée. Donc ça sera un coloriage sur les gourmandises de Noël. Donc sucre d'orge, cupcake, gâteau de Noël, biscuits, pain d'épices, enfin, tout est accepté. Donc là, Clara Markova, je pense que dans, il n'y a pas un seul coloriage de Noël où il n'y a pas un gâteau quelque part. Et puis bah sinon, voilà, un autre coloriage, n'importe lequel, puisque tous les livres sont acceptés, tous les illustrateurs sont acceptés. Il faudra faire une gourmandise de Noël. Catégorie numéro 6, celui qui n'a pas de Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied du sapin. Donc là, je voudrais un coloriage avec un sapin. Obligé, qui dit Noël, qui dit hiver, dit sapin. Le mien est déjà fait, je sais c'est tôt, mais ça fait encore une fois du bien au moral. Donc pour celle-ci, ce sera un coloriage avec un sapin. La catégorie numéro 7, sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël. Et ça c'est tellement vrai. Voilà, le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir. Donc un coloriage avec des cadeaux. Pareil, vous pouvez les rajouter s'ils n'y sont pas. Et sinon, bah, dans les Clara Markova, il y en a. Maria Troll, pas trop, mais vous pouvez très bien les rajouter. Et après, bon, bah, que sais-je, hein, il y a plein de livres sur Noël. Je pense qu'il y a des cadeaux au pied du sapin ou quoi. Catégorie numéro 8, c'est Noël qui est grand temps. C'est Noël, pardon. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et donc là, c'est un coloriage, donc soit avec une étoile, soit avec une bougie. Donc pour ce qui est d'une étoile, ça peut très très bien être un portrait où il y a des étoiles. Je sais qu'il y a beaucoup d'Anna Carlson où il y a des étoiles sur les visages, etc. Donc ça, ça peut marcher. Vous pouvez lui donner un air angélique, vous pouvez lui donner un air de fée de Noël, j'en sais rien. Je sais que dans Maria Troll, vous avez, alors je crois pas des étoiles. Ah si, il y a un ange, si, dans le Flora, il y a un ange à la fin, une petite dame de Noël. Sinon que sais-je, dans le Clara Markova, le dernier, le Fairy Touch of Magic, il y a une petite madame de Noël avec une grosse étoile filante au-dessus de la tête.
Voilà, et puis pour les bougies, c'est pareil, il y a énormément de coloriage avec des bougies dans des lanternes ou autres, du moment que vous faites un effet lumière, ça marche. Voilà, ensuite pour la catégorie numéro 9, mon petit pain d'épices d'un baiser glisse et prend vie. Donc là, c'est un coloriage avec un pain d'épices, j'étais obligée, le petit bonhomme de pain d'épices, pour moi, c'est trop le symbole de Noël. Donc voilà, pareil, dans les Clara Markova, il y en a plein. Bon, c'est plus rare dans les livres de. Je pense toujours à Anna Cardone Maria Troll parce que je sais qu'on est hyper nombreuses à colorier dedans. Mais bon, bah voilà, n'importe quel livre de colo de Noël, il y en a, je pense. Ensuite, 10. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver, racontés le matin à la table des anges. Donc là, je voudrais un coloriage avec un portrait d'un ange ou un portrait angélique. Donc pareil, soit vous coloriez un ange directement. Donc voilà, comme je disais, il y en a un par exemple chez Maria Troll. Il y en a des très très beaux dans le livre de Marjorie Sarna de Coloring Heaven. Vous savez, sur les anges, Beautiful Angels. Et sinon, vous pouvez très bien me faire un portrait, n'importe quel portrait d'un livre, et lui donner un côté angélique. Ça peut être un challenge de faire voilà, de la faire blonde, avec des yeux bleus, dans les tons bleus, roses, vraiment quelque chose d'angélique, faire un fond lumineux autour d'elle. Voilà, ça peut être sympa. Je sais qu'il y en a chez Annaline. Il y en a pas mal. Il y en a des très jolis chez Annaline. Voilà, donc un colo avec un ange. Ensuite, la catégorie numéro 11. Qui marche dans la neige ne peut cacher son passage. Donc cette fois-ci, ce sera un coloriage avec de la neige. Donc pareil, il y en a dans plein de nos livres de colo. Faudra s'entraîner à faire un effet neige. Je pense que c'est un bon moyen aussi de s'entraîner à faire la neige parce que c'est pas facile. La neige. Moi personnellement, je me suis aidée des vidéos de Chris Cheng pour faire ça parce que je trouve qu'elle l'a fait très très bien. Donc voilà. Sinon, après, j'improvise. Je fais des tests. Et enfin, la dernière catégorie, la numéro 12. Il est le plus grand mystère de mon enfance. Envolé, je n'ai pu suivre leur cadence. Donc là, c'est le Père Noël ou les reines. Voilà. Donc évidemment, j'étais obligée de faire une catégorie sur le Père Noël. Ou sur les reines, puisque moi perso, ça sera les reines. Je vois très très bien le colo que je vais faire. C'est dans le dernier Clara Markova. Il y a le gros renne là avec les petites sorcières dessus. Il est trop chouchou. Donc je vais faire celui-là. Je vais lui donner un petit air de Rodolphe là, le renne. Et puis bah sinon, si vous voulez faire un petit Père Noël, il n'y a pas de souci. Ça serait vraiment chouette. Donc voilà les 12 catégories. Vous en choisissez en fonction de votre menu et vous faites vos colos. Vous avez jusqu'au 5 janvier. Le 5 janvier, il y aura le tirage au sort. Et voilà, donc moi je vais vous faire en vlog le petit résumé de mon challenge de l'automne pour vous montrer tous les colos que j'ai faits, etc. Et puis n'oubliez pas, le 30 novembre, je ferai le tirage au sort du livre. Par contre, c'est sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, malheureusement, vous ne pourrez pas participer au tirage au sort. Vous pouvez néanmoins partager vos coloriages. Donc, ah oui, j'ai oublié. Pour partager vos coloriages cette fois-ci, donc ça sera le hashtag CCC. Donc Christmas Coloring Challenge. Et vous pouvez aussi le faire sur Facebook, sur mon groupe Facebook. Je vais mettre un album où vous pourrez mettre tous vos coloriages. Pour celles qui n'ont pas Instagram, vous pourrez quand même nous les partager sur Facebook. Donc je vais faire tout ça dans la journée. Et voilà, je m'excuse pour ma voix désastreuse. On dirait que j'ai un accent de Marseille. Je sais pas, c'est affreux. Ah là là, c'est bon. J'en rigolerai quand je regarderai cette vidéo. Je peux vous dire qu'il y en a un qui est content, c'est mon mari. Comme ça, je ne vais plus lui crier dessus. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis bon hiver, parce que ça arrive. Et puis, bah, préparez bien vos fêtes de Noël. Ne nous laissons pas abattre. Et voilà, préparons Noël et colorions. Bisous à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!